Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une palette Trelook avec la XX Envie. Donc, c'est une palette que j'ai eue dans la swap de la part de Manon. Donc, je vous mets le déballage du swap en barre d'infos. Et voilà pourquoi je l'ai mis en wishlist. La couleur dominante est le vert, bien qu'il y ait beaucoup de teintes. Il y a aussi bien du bleu que du prune, de l'aubergine, du violet. Donc écoutez, voilà. On va commencer bien sûr par un vert parce qu'il faut que je teste absolument ce kaki ici, hein, dans le gros pan. On va faire un make-up assez simple pour le premier look, pour voir en aplat et tout ça ce que ça vaut. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Je me rapproche et on attaque le premier make-up. Donc j'ai poutré mon arcade sourcière avec un autre fard puisqu'il n'y a pas de beige dans la palette. Voilà, tout simplement. Alors, je vais commencer avec je vais prendre un pinceau plat assez gros. On va faire un cocktail semi-cut-cuisse cocktail. Et je commence par celui-là. Voilà, puisque c'est celui que j'ai vraiment envie de tester. Les paillettes aussi, mais on fera un make-up bleu, je pense, pour aller avec les paillettes parce que elles sont canon. Canon. Donc, je mets ça sur la partie externe de ma paupière. Je vais faire un tiers. On va faire une autre sorte de cocktail. On va faire un tiers. Bon, bah, la pigmentation, déjà, j'ai envie de dire, ça va. Ils sont quand même assez poudreux. Je sais pas si tu veux dire. Oh, ils sont poudreux, donc il faut faire attention. Je fais tout de suite mon ras de cils externe. Voilà, on viendra réintensifier après. Donc je prends tout de suite un pinceau estompeur et je blende sur la paupière et tout le tour. Bon, il s'estompe assez bien aussi. Je pense qu'il y a peut-être certains fards qui ont tendance à faire des taches. Vous voyez, ici. Après, j'ai peut-être mis ma base comme une barbare. Alors, je vais prendre un autre pinceau plat et on va passer à celui-ci. Que je vais mettre à la suite. Voyez-vous aussi. Je dégrade tout de suite sur la paupière. Dans le vert le plus foncé. Au-dessus. Ouais, ils sont poudreux. Hein. Le kaki, j'ai l'impression que c'est un peu transformé en bleu canard. Alors, je prends un petit pinceau boule et je vais prendre la couleur mint ici en dessous, le tout dernier fard, pour mettre dans mon creux interne. Hein, on part sur le pastel, il ne se passe plus grand-chose. Hein. Mais je ne suis pas fan hein, des fards pastels. Je vais rajouter un peu de celui-là. Ah, c'est mieux. Ok. Alors, avec le pinceau que j'ai dégradé avant, je continue mon dégradé. Je l'essuie pour bien enlever les pigments et je vais prendre la teinte ici pour dégrader les deux teintes là. J'en prends pas beaucoup, hein. Je vais aussi faire mon ras de cils avec le vert ici. Alors, je vais déjà commencer par réintensifier mes teintes. Donc, je reprends le plus foncé. Je reprends le vert pomme. Alors, j'essuie mon pinceau plat mais fin. Et j'ai envie de mettre une autre teinte en... Il n'y a pas grand-chose en lumineux qui irait avec. À part du doré, mais je prends le doré. Non, bon, on va rester dans le vert. Je vais mettre celui-ci.
le gros lumineux ici, un kaki un peu doré. Je les tire sur le vert pomme pour mettre quelques petites paillettes. Pareil pour mon racine interne. Et en coin interne, je vais mettre celui-ci. Ici. On est total vert aujourd'hui. Dans le deuxième look, on partira dans les mauves prunes. Et le troisième dans les bleus. Voilà, on va faire ça. Celui-là, j'aime beaucoup pour le coin interne en tout cas. Et ben voilà pour les fards. Écoutez, hein. Je regarde, mais... ouais, on est pas mal. Hein. Donc je vais mettre mascara. Je vais faire un trait de liner. Rouge à lèvres. Je vais juste mettre mon crayon soir. Et je vais mettre le peach comme ça de Too Faced. C'est un gloss. Je sais pas lire la teinte. Hein. Mais c'est Marie qui me l'a envoyé. Je ne l'ai pas encore testé. Donc je fais ça. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on passe au deuxième. Ce deuxième make-up, on va partir sur les teintes un peu plus bordeaux, rose, enfin ouais, bordeaux, c'est plus du bordeaux. Je vais me baser sur le rouge à lèvres que j'ai envie de mettre, qui est le Santa Baby de Jeffree Star. Donc voilà, tout simplement, je viens de voir que celui-ci était à paillettes, c'est celui que je voulais utiliser. Alors attendez. Celui-ci a plus la couleur. Donc on va partir sur un make-up un peu graphique parce qu'au départ je voulais faire un smoky, mais j'ai très envie d'utiliser celui-là en smoky demain. Donc là on va partir sur un make-up un peu plus graphique. Voilà. Donc blendage de base pour commencer, comme d'hab. Sinon ça fait des taches, des lignes, des babards, des trucs dégueulasses. J'ai poudré mon arcade sourcilière avec mon fard beige habituel, puisqu'il n'y en a toujours pas dans la palette. Hein. Il ne va pas apparaître comme ça. Je commence avec un pinceau biseauté et cette teinte ici, qui est quasi identique au rouge à lèvres. Et je fais mon creux et je pars en pointe comme ça, genre que de cuisse. Voilà. Explication très, très, très quoi. Mes explications sont de plus en plus claires, je trouve. Après, c'est tout le temps la même chose. Tout le temps la même chose. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu mettre un fard sur ma paupière d'abord. Je vais d'abord faire un côté et on fera ça juste après. Donc, qui dit pinceau biseauté et dense dit chute. Hein. Je vais prendre un pinceau plat mais assez souple et on va mettre la teinte. Il n'y a pas énormément de teintes qui peuvent aller avec. Je vais commencer par celle-ci pour mettre sur ma paupière mobile. Donc, je commence par l'intérieur parce que je pense que je vais mettre une plus foncée en extérieur. Trop bien lumineuse, je préfère bien même au pinceau. Ça c'est déjà un bon point moi je dis. Avec l'autre côté du pinceau, je vais prendre celui-ci en dessous, qui est aussi un peu prune comme ça, mais pailleté. Après, c'est des micro-paillettes, donc à mon avis, ça va pas on verra plus rien. Mais il est beau. Il est un peu plus rose que l'autre. Donc je le mets sur la partie externe. Donc je vais faire... un dégradé en pointe ici. De toute façon, on séparera les deux teintes par du liner, soit à paillettes, soit coloré, je sais pas. Merde, c'est pas la bonne teinte. Bien sûr, on dégrade les deux teintes. Bon, ça c'est joli pour l'instant. Je vais réintensifier mon prune plus foncé ici. Je prends un tout petit pinceau boule et la même couleur pour dégrader. Ok, alors tant que j'ai ce pinceau là, je vais prendre la teinte ici en dessous, qui est satinée au-dessus, mais je vais faire mon ras de cils avec, ça ira très bien.
Je vais prendre un pinceau estompeur comme ça et je vais prendre la teinte juste ici, qui est un beige un peu rosé, pour continuer mon dégradé partout. Ici, ça fait une babare. Hein. Donc, je fais vraiment tout le tour de mon œil avec ce fard-là. Je donne un coup d'estompeur propre, hein, comme là. Cette babare-là, j'arrive pas à l'enlever. On dira que c'est fait exprès. Hein. Mais je pense qu'il a quand même un peu de mal à se dégrader. Après, je l'ai mis avec des pinceaux super denses. Hein. Si vous l'utilisez avec un pinceau fluffy, je pense qu'il n'y aura pas ce souci-là. Voilà. Alors, en coin interne, je vais mettre... Il n'y a pas grand-chose dans ces teintes-là pour le coin interne. Si vous regardez bien, en lumineux, il n'y a pas grand-chose. D'ailleurs, il n'y a pas grand chose du tout pour le coin interne, hein. À part le haut, les deux là ici, celui-ci peut-être. Je vais essayer d'abord avec celui-ci, ici en dessous. Là. C'est chiant les grandes palettes. Moi, hein. Ouais, celui-là, ça va. J'en mets un peu au centre de ma paupière. Je vais y aller au doigt. J'en mets vraiment pas beaucoup, mais juste au centre. Pour aller border un peu sur le bordeaux ici. Là. Voilà. Bah écoutez, je pense que pour les fards de ce make-up-là, on est pas mal. Demain, on partira dans les bleus. Enfin, demain, pour le troisième look. Alors... Je vais faire un trait de liner noir. Je réfléchis, hein. Trait de liner noir en muqueuse. J'hésite entre mettre un liner pailleté ou un liner coloré. Ou noir. Je vais mettre un liner coloré. Je vais voir quelle teinte je peux mettre. Donc j'ai déjà mis mon liner noir et mon crayon noir et je vais utiliser le bleu ici. Ouais, c'est un peu turquoise, bon, un peu turquoise tout simplement. Donc je vais utiliser ça, je vais faire un trait dans mon creux et des points à l'extérieur et en dessous de la queue du liner aussi. Retour des petits points, ça faisait longtemps. C'est soit les paillettes, soit les petits points chez moi. Mais il y a toujours un problème quelque part. Un problème. Après, bien évidemment, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Ok, ça rend super bien. Blotting tool. Alors, je ne vais pas prendre un trop gros petit point. Je ne vais pas me faire des petits points. Il est en train de sécher. Ça sèche beaucoup trop vite. Hein. Ben, il a du mal avec les petits points. Là, il me fait des trop gros points. Je prends l'autre côté pour avoir des plus petits points. S'il veut bien, hein, parce que... Et j'en fais un plus petit ici aussi. Ok. Bon, on va laisser ça comme ça. Donc, mascara et rouge à lèvres. Je mets donc le Santa Baby. Je viens vous montrer ce que ça donne. Et on passe au look numéro. Pour ce troisième look, on va partir dans les teintes bleues et faire un smoky avec ce fard ici qui est bleu-vert. Ça dépend comment vous l'orientez. Donc, écoutez, on va y aller tout de suite. Voilà. Donc, je prends un pinceau plat et assez souple pour faire un creux large. Et je vais commencer avec cette teinte-ci qui est un turquoise, tout simplement, qui est très beau. Donc, je commence par faire un creux large. J'allais dire, il sera moins pigmenté puisque c'est un pinceau super fluffy, mais non, pas du tout. Pas du tout. Donc je le remonte assez haut, hein, on fait un smoky bleu d'enfer. Je fais le tour de mon œil, hein, comme d'hab, le coin externe et le ras de cils.
Alors, je suis mon pinceau, je garde le même. Je fais ma flemmarde et je vais prendre le bleu ciel ici en dessous pour dégrader la première teinte. Il faudra que je rechange le pinceau pour intensifier le turquoise après. Alors, je vais commencer ma paupière mobile. Je vais commencer avec celle-ci. Que je vais faire en espèce de semi-queue de cuisse. Bon, c'est pas vraiment un smoky en fait. Il est super beau, super lumineux. Je sais pas si vous voyez, mais il est supra lumineux. Il fait plus clair sur la paupière que dans le panne. J'aurais préféré qu'il soit un tout petit peu plus foncé comme dans le panne, mais il est magnifique. Il est très beau ce verre. J'y suis mon pinceau et ensuite je prends celui qui est juste ici, le gros au centre. On met au centre. Bon, on part clairement sur un monochrome bleu. Hein. On voit pas énormément de différence. Mais j'aime bien, mais ça manque un peu de profondeur, je trouve. On va essayer celui-ci pour intensifier ici. Ouais, c'est un peu les mêmes couleurs quand même. Hein. Ils m'ont l'air super similaires. Il faudra qu'on fasse les swatchs un côté de l'autre après. Et juste, ça doit jouer vraiment un tout petit sous-ton. Hein. Ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? J'ai plus beaucoup de bleu hein, déjà. Je vais juste prendre celui-ci avec un petit pinceau boule pour intensifier le coin externe parce que ça manque clairement de profondeur. Donc, j'ai une espèce de V en extérieur comme ça. Je le ramène un peu en racine. Alors, je vais prendre ce petit pinceau-là, je reprends la toute première teinte qu'on va réintensifier et en même temps dégrader le coin externe. Je garde le même pinceau et je vais prendre... Je ne sais plus. Je vais reprendre celui-ci pour faire mon rat de cils. Je reprends celui-là un tout petit peu du bleu ciel et... on redégrade et on finit comme d'hab avec un coup propre. Je vous répète tout le temps les choses. Donc je reprends mon pinceau plat et je vais prendre. Non, c'est yellow. Bon. Il y a un agent liant. Alors il y a des paillettes dedans bleu, mauve, rose, verte. Donc c'est clairement des paillettes, hein. C'est pas un fard. Hein. Et je pose ça partout. Bon, allez, soyons fous. Bon, il n'y a pas besoin que ce soit les fêtes pour mettre des paillettes. Vous le savez. J'adore les paillettes. Elles sont super belles, mais j'ai l'impression que le vert prime dessus quand même. Hein. Par contre, elles tiennent bien. Elles sont super fines. Elles sont pas. Oui, je mets la dose. Hein. Ah, j'ai envie. Je reprends ce petit pinceau là pour blender tout en délicatesse pour pas faire trop de chute. Et bien c'est joli. Alors pour mon coin interne, j'ai pris le pinceau que j'avais prévu à cet effet. J'en reprends un autre et moi je trouve qu'on est vachement limité en coin interne quand même. Hein. Franchement, à part les deux là ou celui-là qu'on a déjà utilisé deux fois, celui-là, enfin, j'ai déjà utilisé, celui-là. On reprend celui-là. Un peu doré comme ça. Bon, c'est pas pris le meilleur pinceau du monde pour faire ça. Je vais y aller à l'embaumousse, si je les trouve. Là. Je range tellement bien mes affaires que je les trouve plus. Ah. Ça, c'est mieux. Ok, ben voilà pour les fards. Je suis contente d'avoir utilisé les paillettes parce que c'est vraiment le fard qui m'a... quand je l'ai vu. Alors,
Liner, crayon noir, puisque j'ai mis beaucoup de bleu, on va pas exagérer. Mascara sur les lèvres, je ne sais pas. Et je vais certainement mettre un petit stample quelque part. Une petite étoile peut-être, ça serait joli. Je viens vous remontrer ce que ça donne et on parle de la palette juste après. Donc voilà ce qui conclut les trois make-up avec cette palette XX. Alors, j'ai oublié de faire mes petites étoiles. Tant pis. Sur les lèvres, j'ai mis le Pita, le brioche. C'est ça? Ouais, c'est brioche de Pita, je crois. Oui, c'est, même ici, c'est l'autre. Ouais, c'est bien ça. Parce que c'est celui qui est dans ma rotation, dans mon projet de panne. Donc j'essaie de le finir, c'est un Rikiki. Voilà, ça bouge à lèvres, donc il ne tiendra pas sur moi, c'est pas un mat. Et voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je pense de cette palette? Écoutez, j'aime beaucoup la qualité XX. Moi, j'avais testé la rose, je crois. C'était la rose ou la mauve que j'avais acheté, que j'ai revendu parce que je ne l'utilisais pas au final parce que ce n'était pas mes teintes. Là, on est un peu plus sur mes teintes. Mais, oui, parce qu'il y a un mais, je ne vois pas pourquoi avoir mis du rouge, du bordeaux, du bleu. Des teintes un peu comme ça. Il n'y a pas énormément de vert au final sur tous les fards. Il y a combien de fards? Attendez. Il y en a 32 en tout et nous avons des verts. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. What? 11. Donc il y a 20 phares, c'est des autres teintes. Autant y aller à fond et faire quasi que du vert avec quelques teintes pour donner un coup de peps et des choses comme ça, mais. Et je trouve qu'on est très limité aussi pour les coins internes. Voilà, à part les deux là qui sont très pailletés, celui-ci qui est un peu lumineux, le reste en coin interne. Si voilà, faut mettre du mat dans ce genre là. Les paillettes sont magnifiques, le gros kaki là, trop beau. Ce bleu turquoise là, magnifique celui-là aussi. Et franchement, les fards sont très beaux, les deux bleus. Ah oui, on va les swatcher, j'allais oublier. Ouais. Voilà, il y en a un qui a des sous-tons un peu plus verts ici que l'autre, quoi, mais c'est pas indispensable, quoi. Voilà, je trouve dommage, et on en revient à ce que je dis depuis un certain temps maintenant avec Révolution en général, surtout pour les flawless, j'ai constaté ça, mais je constate que c'est pareil pour chaque palette. Ils donnent un thème à la palette, mais ils vont pas à fond à l'intérieur. C'est vraiment, voilà, oh, on va sortir une palette verte, allez hop, on tape une dizaine de verts et on met plic-ploc des teintes, comme ça, quoi, voilà. Voilà, je trouve que ils font trop de sorties et que ça devient trop bâclé. Donc, c'est pour ça que je boycotte un peu Révolution. Autant leurs produits teints et tout ça, je peux pas m'en passer. Enfin, quoi que, fond de teint, enfin, s'il y a beaucoup de produits de chez eux que je peux pas me passer pour le teint, que pour les yeux, c'est limite. Les mascaras, par exemple, j'ai jamais trouvé un mascara chez Révolution qui me convienne. J'ai jamais trouvé un liner qui me convienne. Les poudres, ça a été compliqué. Mais voilà, je trouve qu'ils font beaucoup trop de sorties et que ça devient vraiment un peu du n'importe quoi. C'est du, allez, on doit sortir une palette verte. Allez, on en met quelques-uns, puis après, mettez des fards qu'on ne sait pas où mettre, quoi, voilà. Je trouve ça vraiment dommage. Autant y aller à fond. Ils auraient fait vraiment bleu-vert. J'aurais pu comprendre parce que c'est deux teintes qui s'assortissent, qui vont très bien ensemble. Bordeaux-vert, c'est des couleurs complémentaires. Donc pour les associer, c'est très compliqué. C'est faisable, hein, mais par exemple, vous mettez celui-ci qui est un bordeaux comme ça, un burgundy avec des petites paillettes dorées sur la paupière mobile et vous mettez, je sais pas moi, le kaki en ratil, ça peut le faire. Mais c'est quand même des couleurs très difficiles à marier. Et je trouve dommage qu'ils aient pas été à fond dans le thème du vert. Vraiment faire une palette full vert, quoi. Il y avait moyen, avec quelques nudes dedans, du marron, du beige, un noir. Il y a moyen de faire des jolies palettes bien complètes. Que là, encore une fois, c'est hyper bâclé. Après, ça reste une très bonne qualité. Même s'il y a beaucoup mieux. Hein, voilà. Mais vous voyez que question pigmentation et travail, il n'y a pas eu de souci. Mais il y a meilleure qualité dans des marques qui sont beaucoup plus complètes et qui
travaillent beaucoup plus leur color story ou des choses comme ça. Voilà, donc Révolution n'est plus ma marque préférée depuis l'année dernière. Ceci explique encore une fois cela. À chaque fois que je teste une palette de chez eux, j'en reviens à la même chose. Au départ, ils travaillaient super bien leur thème. Là, c'est plus le cas du tout. Donc, je suis vraiment déçue par leur contenu de palette. Mais sinon, ça reste une belle qualité et une très jolie palette. Voilà, après, c'est à vous de faire vos choix, bien évidemment. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les make-up vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel make-up vous avez préféré. On se retrouve très vite, normalement. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air pour me faire plaisir et m'encourager. De vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que on arrive aux 4000 avant mon annif. J'aimerais bien. Il manque plus beaucoup de monde. Donc partagez à fond la chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous. Baby, then you know that I was never one. I don't wanna see you. I don't wanna fear you tonight. You don't wanna know me. You just wanna make sure you're